Bienvenue dans cette formation. Nous allons voir ensemble comment mettre en place un leadership empathique et comment cela peut vous permettre de collaborer avec compassion et compréhension. Et là, Booba a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Je veux rentrer chez moi. Un leader empathique comprend les difficultés et les situations personnelles que ses collaborateurs peuvent rencontrer, comme le stress, les soucis personnels ou la pression au travail. Et voilà. Les toilettes de couleur, c'est fini. Merci d'avoir regardé et à bientôt.